Des toiles accrochées comme des morceaux de viande, presque logique lorsqu'il est question de boucherie. Il fallait bien les accrocher. Et puis ben voilà, c'est ce qui m'est venu tout de suite, c'est ben tiens les crochets, c'est beau un crochet. En 13 peintures mélangeant collage, acrylique et pastel, Magali Bûcher nous offre une vision, la sienne, sur l'univers de la boucherie. Elle s'attarde sur les gestes, les attitudes, les couleurs, observe les animaux morts ou les morceaux de viande et s'amuse avec une série de portraits de couples au regard tendre. Rien d'extraordinaire, juste le quotidien d'une profession. Rien n'est plus banal. Il faut avoir des vacances extraordinaires, il faut avoir une vie extraordinaire, sinon personne ne s'intéresse. Et moi, voilà, je sais que peindre l'ordinaire. Et cet ordinaire, Magali n'arrête jamais de le peindre depuis plus de 10 ans maintenant. Hyperactive, elle travaille exclusivement sur des séries. Ces 4 derniers mois, elle en a produit 3, représentant en tout près de 40 toiles. Ce qu'il y a de plus compliqué pour moi, c'est d'imaginer ce que je vais faire. Une fois que j'ai tout dans la tête et que je mets des titres, après c'est de la technique. Je produis assez vite, mais il me faut des dates. Il me faut des dates pour que je peigne un peu dans l'urgence. Et à peine son exposition est en place que déjà la prochaine est en cours. Une nouvelle fois, l'idée est des plus banales, puisqu'il s'agira de 20 toiles sur des gens qui enfilent leur